Are you ready? Yes. Okay. Alors, okay. Non, les filles, on répète pas. On répète pas. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est là les filles. Elles sont là les filles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette super rapide de harira. Les filles, on va faire quoi? On va faire la harira. On va faire la harira. Alors regardez, qu'est-ce qu'on a ici comme ingrédient? Non, Mariam, c'est de la viande ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est quoi? La viande. Ça c'est quoi? Zit. Oui, ça c'est de l'huile d'olive. Ça c'est? Oui, des pois chiches. Ça c'est quoi? Lentilles. Les lentilles, pas nautilles, lentilles. Ça ce sont des cheveux d'ange. Cheveux d'ange. Du persil, de la coriandre et du céleri. Et après, ça c'est quoi comme épice? C'est quoi? Épices. Oui, ce sont des épices, mais c'est quoi ça? Du sel. Ça c'est du poivre, d'accord? Du curcuma. Curcuma. Gingembre. De la cannelle. Cannelle. Ici, ce sont des tomates. Donc, j'ai deux tomates que j'ai mixées avec des oignons. Oui, d'accord. Et j'ai rajouté un peu de sauce tomate. Et alors, ça, c'est notre liant. C'est de la farine complète que j'ai mélangée avec de l'eau et un peu de sauce tomate. Vous êtes prêtes, les filles? Vous allez m'aider à mettre les ingrédients dans la marmite, ok? Oui. On le fait ensemble, ça. Mettez l'autre main à trois. Non, non, attendez. Regardez ce qu'on va faire. Maman, elle va vous donner une cuillère. Tu peux couper. Ok, on va commencer. On va mettre de l'huile d'olive. Attends, Mariam, Alani, à ton tour. Une cuillère pour Mariam. Tu peux renverser. Rania. Une cuillère pour Rania. Tu peux renverser. On renverse. Maintenant, on va mettre la viande. Pousser la viande avec la cuillère. Voilà, on fait tomber la viande dans. Allez, dans l'autre sens, Mariam. Rania, la cuillère, comme ça. Voilà. On va mettre le persil, maman va mettre, vous allez mettre le reste, ok? Allez, on met dedans. Non, pas comme ça. Tu prends le bol et tu renverses ici. Maman fait les lentilles. Ok. On peut donner les lentilles, on peut changer? Hop, allez-y. Non, comme Mariam. Mariam, vous mettez tout dedans. Allez-y. Bravo. Bravo. Alors, c'est maman qui va vous donner. Rania, tu mets. Wait, s'il te plaît. Allez, tu mets dedans. Une cuillère et une autre petite cuillère pour. Ok. Ici. Allez, allez. On va mettre du gingembre. On va mettre du gingembre. Attends, allez, voilà. Vas-y. Hop. Dedans. Et une pour. Mariam. Super. Allez. Maman, elle va mettre du sel. Mariam. Chacune son tour. Rania. Rania. Ok, du sel. Pour faire la. Comment ça s'appelle la? Sel. Non. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On fait la. Ha. Ria. Oui, la harira. Attends, un tout petit peu de poivre. Rania. Voilà. Rania. Ça sent bon. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Bravo. Sent. Et alors maman, attention Mariam, maman va mettre tout petit peu de cannelle. Un tout petit peu, ça c'est maman qui met parce que maman l'a rien mis depuis tout à l'heure. Tenez, chacune votre tour. D'abord Mariam, après Rania, c'est pas grave, je vais te laver les mains après. Oh, en plein dans le truc. Allez, maintenant les filles, vous allez mettre la sauce tomate. D'abord Mariam, vas-y, renverse. Oui, bravo. C'est lourd? On va essuyer les mains après. Bravo Rania. Super. Enlevez les mains, les filles. Alors, on va mélanger et on va mettre sur le feu. Okay. Donc là, on va rajouter de l'eau chaude. Attention, les filles, vous reculez. Donc, on couvre le tout. Donc, moi, c'est de l'eau bouillante. Hein. Voilà. Et là, maman, elle va mettre sur le feu. Ok? Bien. Donc là, je vais mettre ça sur le feu. J'allume. Donc là, je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire pendant 30 à 40 minutes le temps que les lentilles, les pois chiches cuisent. Donc voilà, tout est cuit ici. On recule, les filles. Regardez, maman, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle va mettre des pâtes. Oui, ouais, c'est comme des pâtes. Voilà, en mélangeant tout doucement, donc sur feu doux. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le liant. Donc vraiment, on met progressivement pour obtenir quelque chose de velouté. Il ne faut pas que ça soit trop pâteux.
il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus. Donc voilà, je mélange. Donc là voilà, je vais laisser cuire encore un tout petit peu. Vous pouvez rajouter du jus de citron, vous pouvez rajouter un œuf cassé donc, dedans, vous pouvez rajouter de la coriandre fraîche, donc ça c'est vraiment, ça dépend des personnes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme vous voyez c'est super rapide et c'est super bon. Les filles, vous dites au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.